Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège. On se demande comment peut-on déterminer l'épicentre d'un séisme. Le principe est simple, cette méthode nécessite l'utilisation d'au moins trois stations d'enregistrement situées en des lieux différents et qui enregistrent une composante des ondes de P et S, des sismogrammes bien sûr. Avec une seule station, on peut écrire le temps d'arrivée des ondes P. Puis S, effectivement, D c'est la distance épicentrale inconnue en kilomètres, TO c'est le temps d'origine aussi inconnu, VP c'est la vitesse de propagation des ondes de P qui est connue en kilomètres par seconde, VS la vitesse bien sûr des ondes de propagation des ondes de S, elle aussi elle est connue. Effectivement, comme vous le constatez, nous avons les trois stations, station 1, station 2, station 3. Donc l'enregistrement obtenu par la station 1, oh, je vais le placer sur mon diagramme, effectivement, puis je vais tracer un cercle, puisque je sais maintenant la distance, bien sûr, qui sépare l'épicentre de ma station 1. Dans ce cas-là, c'est 2314 km. Bien sûr, un cercle dont le rayon est égal à 2314 km. Je vais refaire la même chose pour l'enregistrement obtenu dans la station 2. Donc, je vais bien sûr déterminer bien sûr dans ce cas-là la distance bien sûr qui sépare l'épicentre de la station 2. Dans ce cas-là, elle est de 3678 km et je vais tracer un autre cercle bien sûr avec un rayon de 3678 km. Je vais refaire la même chose avec l'enregistrement obtenu avec bien sûr sur la station numéro 3. Dans ce cas-là, comme vous le constatez, la distance bien sûr que c'est par l'épicentre à la station 3, elle est de 4664 km et je retrace un troisième cercle bien sûr dont le rayon est égal à cette distance. Comme vous le constatez, le point d'intersection entre trois cercles, il constitue l'épicentre du séisme. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, à partir de la station 1, on trace un cercle dont le rayon correspond à la distance épicentrale, T1, comme vous le constatez. Je refais la même chose, la même opération, bien sûr, à partir de la station 2 avec la distance épicentrale, D2, bien sûr. Les cercles se coupent en deux points. Et enfin, bien sûr, le cercle obtenu à partir de D3 mesuré par la station 3 met en évidence dans ce cas-là un point d'intersection entre les trois cercles. Ce point-là, il constitue l'épicentre, est alors localisé, bien sûr, au point d'intersection de ces trois cercles. Merci.